séparément des petits légumes qu'on va venir faire cuire dans une eau bouillante salée. Donc, j'ai ma casserole d'eau, je viens mettre une bonne pincée de sel et on fait chauffer. Première étape, on épluche nos carottes. Ce qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'elle est adaptable avec n'importe quel légume. Donc c'est à vous de vous faire plaisir avec des choses que vous aimez, en apportant le petit twist qui vous plaît. Moi j'ai choisi de la faire à la vanille, je trouve que c'est hyper réconfortant, ça se marie hyper bien avec le céleri, les panais, les navets. Ça sert pas qu'au dessert la vanille. N'hésitez pas surtout à adapter cette recette en fonction de la saisonnalité des produits, c'est hyper important. On travaille avec des produits de saison et on essaye au maximum de valoriser les produits de nos régions. Un petit cul de poule pour débarrasser tous nos déchets, qui ne sont pas forcément des déchets. Vous pouvez très bien récupérer toutes les épluchures pour faire un bouillon de légumes par exemple. Vous mettez toutes vos épluchures, toutes les petites parures dans une casserole, on porte à ébullition, on laisse mijoter quelques minutes, on met dans une bouteille et on s'en sert comme bouillon de légumes pour cuire les pâtes, le riz. Le céleri. Petite astuce pour le céleri, on lui fait toujours une petite base et comme ça, on est safe pour la découpe. Pareil, en haut, un petit coup et ensuite, on vient le peler à vif comme si on pelait une clémentine ou un agrume. Alors là, je vais utiliser qu'un demi, ça sert à rien d'aller plus loin. Pareil, les petites branches de navet, on les lave bien, on les met dans le bac pour le bouillon de légumes, ça marche aussi. Les petits navets, du coup, je leur coupe la petite ficelle là, et je viens gratter juste les petites peaux qui dépassent, les petites peaux un peu terreuses. Alors maintenant, le but va être de faire différents taillages sur nos légumes, libre cours à votre imagination. Ça peut très bien être avec une petite cuillère à pomme parisienne, faire des petites billes, des cubes, des biseaux, des lanières, des spaghettis. C'est le moment de se faire plaisir. Donc avec le céleri, moi je vais faire des jolis cubes, pas trop gros, pour qu'on ait une cuisson quand même rapide et que ça reste surtout bien croquant à cœur. Et là, je vais venir les plonger dans mon eau bouillante pendant environ 5 minutes. Et on viendra les piquer pour voir la cuisson. Il faut que ça reste encore un peu ferme. Parce qu'après, on viendra terminer la cuisson de nos légumes dans le glaçage à la vanille. Alors, je mets mes petits céleris. Pour les carottes, je vais les tailler en biseau. L'avantage, c'est que la carotte et le panais ont approximativement le même temps de cuisson. Donc, on pourra les cuire en même temps. Ça nous fait gagner du temps. Le panais, je vais venir le tailler en petits bâtonnets, comme ça. Ça donnera du volume dans notre assiette. Pas trop épais pour que ça cuise rapidement. De toute façon, les légumes, on peut les retailler même après cuisson si on veut pour le dressage. Et nos petits navets, on va simplement venir les tailler en deux ou en quatre quand ils sont trop gros. Je mets mes petits légumes de côté. En attendant la cuisson de notre céleri et des autres légumes, on va passer à la cuisson des épinards. Une poêle bien chaude, un petit morceau de beurre, un petit... je suis normande, hein, donc le petit morceau de beurre est en adéquation avec ma région. Je récupère une gousse d'ail que j'épluche et que je vais venir piquer sur une fourchette et je vais venir mélanger mes épinards dans ma poêle avec cet ail. Ça va venir lui apporter du goût sans perdre le petit morceau d'ail dans la poêle. Une petite fourchette, on pique, et on attend que le beurre soit bien mousseux. Je récupère un bol avec des glaçons, on va y mettre de l'eau froide et on viendra débarrasser nos légumes un par un dedans pour vraiment stopper la cuisson et avoir une cuisson hyper homogène. Et pour pas que ça continue de cuire et qu'on ait des légumes tout pâteux et remplis d'eau. Mon beurre est bien chaud. J'y mets mes épinards. Alors ça fait beaucoup, hein. Mais à la fin, on va avoir une quantité qui sera réduite. Je prends du sel. Ma petite fourchette avec mon ail. Et on mélange les épinards. On ramasse ce qu'on met à côté. En attendant, je récupère deux petites branches de cébette. Et je vais venir faire des petits biseaux de cébette. On viendra déposer sur le dessus de notre jardinière. Nos épinards ont bien réduit dans la poêle. On les laisse bien cuire. Si les queues sont pas assez cuites, c'est un peu dérangeant en termes de texture. Et là, mon céleri, ça devrait pas être trop mal. On est bien. On arrive à enfoncer la pointe du couteau, mais il y a encore une légère résistance. Je prends mon bol d'eau. Je mets mes céleris dedans. Et directement, on enchaîne avec la cuisson de nos carottes et du panais. Là, on va pouvoir débarrasser nos épinards de notre poêle et les réserver pour le dressage.
Et parce que la vaisselle, c'est pas cool à faire, on récupère la même poêle pour faire le glaçage. Pareil, toujours un petit peu de beurre, l'équivalent d'une un quart de plaquette, qu'on laisse fondre tranquillement. J'ouvre ma vanille avec un couteau bien tranchant. Je les mets juste à côté. Et là, en appuyant, je libère les grains de ma vanille. La vanille, je mets bien sûr les gousses aussi. Et là, je viens ajouter un petit peu d'eau. Et là, ça va venir lier. On fait toujours attention à la cuisson de nos légumes. Débarrasser nos panais. Et là, je mets mes navets pour pas qu'on perde de temps dans notre recette. En parallèle, je vais pouvoir sortir mes légumes. Hop, j'enlève bien les glaçons. Voilà. La cuisson s'est stoppée. Alors, le plus embêtant dans la recette, c'est d'enlever les glaçons de la passoire. C'est rien de plus compliqué à part ça. Là, on commence à avoir un glaçage hyper nappant, onctueux. On va pouvoir le stopper ici. Là, mes carottes et mes navets sont cuits. Je débarrasse. Je récupère mes légumes. Je remets mon glaçage en chauffe, tout doucement. Je remets mes légumes dans mon glaçage à très basse température pour pas que ça les cuise de trop. On vient les napper dans notre glaçage. Voilà, là on laisse réchauffer tout doucement. Et on va pouvoir commencer le dressage de notre assiette. Je me munis d'une petite assiette noire, d'un petit cercle. Le noir c'est bien parce que ça fait ressortir toujours les petites couleurs des légumes. Je viens prendre mes petites épinards que je viens mettre dans le fond de mon assiette. Mes légumes sont bien enrobés. Petit tour de moulin de sel, un petit peu de poivre. Et là, on va pouvoir venir dresser délicatement tous nos légumes. Donc ça prend un peu de temps. Hein.